Laquais, de la Facultatea de Filozofie, Institutul Catolic din Paris, care este membru al acestei academii în colaborare cu care noi am organizat această întâlnire, Academia Catolică Val-de-Seine. Domnul Vincent Laquais ne va vorbi despre fundamentele dialogului. Cred că ne-am dat seama din întâlnirile de seară că există undeva o problemă de dialog între Orient și Occident. Nu știu dacă vom rezolva noi, dar cel puțin aducem câte o cărămidă, azi o cărămidă mâine și poate că atunci când Dumnezeu va voi și cu ajutorul nostru vom reuși să instalăm acest dialog. Deci, pentru a ne clădi sau pentru a pune această cărămidă la zidirea dialogului, dau acum cuvântul lui Vincent Laquais pour Vincent Laquais. Mersi, Vincent. Iar cei care nu înțelegeți limba franceză, puneți-vă căștile pe urechi și colegul meu Iulian va face tot ce este în putință să înțelegeți măcar esențialul din ce trebuie înțeles. Pentru că, vă asigur, nu este ușor să stai cu traducerea simultană, cum a stat aseară 3 ore, era distrus când am văzut la sala de mese și nu mai nimerea 4. Dar se va strădui să facă ce poate, nu vă îngrijorați, da? Vă mulțumesc pentru înțelegere. Vincent, mersi. À la parole. Bonjour à tous. Je voudrais commencer cette communication par reprendre les mots, faire mien les mots de Paul Ricœur, qui étaient les suivants dans La critique et la conviction. Je veux me risquer une fois dans ma vie à ce que précisément permet le dialogue, c'est-à-dire une parole moins contrôlée. Ça me permet d'anticiper et de commencer à m'excuser sur tout ce que mon discours aura de non contrôlé sur la question du dialogue, avec en ligne de mire la question du dialogue particulièrement œcuménique. C'est pas ma spécialité, donc je contrôle un petit peu moins les choses. Quand je parle des fondements du dialogue et des fondements philosophiques du dialogue, Paul Ricœur travaille sur le dialogue, j'ai vraiment en tête cette question du dialogue œcuménique. Puisque, même s'il a fait des progrès, même s'il avance depuis un certain nombre de dizaines d'années, il se heurte encore aujourd'hui quand même à des oppositions majeures. On pourrait les donner en 2 temps. Les autres traditions qui nous disent « on ne veut pas discuter avec vous », les catholiques qui ne veulent pas discuter avec les orthodoxes qui ne veulent pas discuter avec les catholiques, les protestants, etc. Et puis, il y a aussi la phrase « vous ne devez pas discuter avec eux ». C'est-à-dire des catholiques qui disent aux catholiques « ne discutez pas avec les protestants, les orthodoxes, etc. » Comme l'œcuménisme, je m'y intéresse, et je m'intéresse pour des questions éducatives, puisque je suis enseignant dans un lycée français où nous avons des groupes de discussion comme Coexister, qui est un groupe de discussion interreligieux, nous avons la semaine unité des chrétiens, mais ce n'est pas ma spécialité philosophique, donc j'ai été chercher en bibliothèque et sur Internet, et l'un des premiers textes en France sur lequel on tombe quand on parle dialogue œcuménique, c'est un texte très critique, qui provient d'un groupe français qui s'appelle La Fraternité Sacerdotale Saint-Quilice, intégriste, c'est l'obédience de Monseigneur Lefebvre qui a refusé de certaine manière Vatican II, et on trouve un texte assez conséquent, assez important, de 47 pages, dont le titre est quand même assez intéressant, « De l'œcuménisme à l'apostasie silencieuse ». L'œcuménisme est une apostasie, un abandon de la foi. Je me suis dit, on va commencer par lire ça. On va lire ça, et alors, le raisonnement est assez simple, hein, on pourrait donner des arguments très rapides. Alors, les arguments, je les donne en prenant les titres de chapitres de leur texte. L'Église du Christ est l'Église catholique. Les autres églises, traditions, évidemment, ne sont pas l'Église du Christ. Hors de l'Église, point de salut. Je vous rappelle que c'est une phrase qui vient de Cyprien de Carthage du IIIe siècle après Jésus-Christ. L'œcuménisme engendre le relativisme de la foi. Il faut enseigner le contenu intégral de la foi catholique. Le dialogue œcuménique provoque la perte de la foi, détourne l'Église en ne réclamant plus la conversion des hérétiques et des schismatiques, en humiliant la seule Église qui est l'Église catholique et en poussant les dissidents à l'orgueil. Je pense que ces critiques que nous avons dans la sphère de l'impression catholique, on doit pouvoir la trouver dans les autres traditions, évidemment. Alors on pouvait balayer d'un revers de main, sauf que la condamnation est sans appel. Je vous dis juste la conclusion. On doit dire que l'œcuménisme de ces dernières décennies qu'il mène à une apostasie silencieuse, qu'il dissuade les non-catholiques d'entrer dans l'unique arche de salut. Il faut donc réprouver l'impiété de ceux qui ferment aux hommes l'entrée du royaume des cieux, sous couvert de rechercher l'unité. Cet œcuménisme disperse les brebis, il ne porte pas la marque du Christ, mais celle du diviseur par excellence, le diable. Le dialogue œcuménique serait une œuvre diabolique, ni plus ni moins. La condamnation est sans appel. Alors évidemment, à ce type de critique, il y a des réponses théologiques. Je laisserai à mes collègues théologiens, le père Nicole nous en a parlé de tout ça, le soin d'y répondre. Je pense qu'à ce type de choses, il y a aussi une réponse philosophique. C'est-à-dire que le dialogue œcuménique est certes un problème théologique, mais le dialogue est aussi un problème philosophique. Et Paul Ricœur me paraît donner un certain nombre d'éléments pour penser autrement le dialogue et le dialogue œcuménique. Alors, choisir Paul Ricœur est un peu curieux, puisque dans un texte, dans un entretien suite à la parution d'un de ses ouvrages, Lecture 1, il disait que l'œcuménisme institutionnel ne l'intéressait pas véritablement. Ce n'était pas véritablement sa question. Cependant, au-delà de ça, sa problématique de la vérité, la question du langage et de la traduction, sa perspective herméneutique me paraissent être intéressants pour penser le dialogue et puis pour se demander qu'est-ce qui peut soutenir véritablement un dialogue œcuménique et comment répondre philosophiquement à ce type d'attaque. Outre le fait d'intérêt de Paul Ricœur, j'aurais envie de dire qu'on ne peut pas parler du dialogue sans le mener un tout petit peu soi-même. Et d'une certaine manière, lorsque Jean-François Petit m'a parlé de ce symposium, l'idée qu'un professeur de philosophie catholique, spécialiste par ailleurs d'Emmanuel Levinas, donc d'un philosophe juif, puisse parler en termes orthodoxes d'un philosophe protestant, me paraissait en soi déjà plutôt intéressant. Déjà la possibilité de quelque chose. Pour faire vite, je vais donc essayer de diviser en trois mon propos. La première question que j'essaie de me poser, c'est la question de la vérité. Quelle conception de la vérité soutient ou peut soutenir un dialogue et un dialogue œcuménique? À partir de cette question de la vérité, j'essaierai d'aller voir du côté du langage et de la traduction chez Ricœur très rapidement, et dans le langage et la traduction, poser la question de l'altérité, avant d'essayer de terminer sur cette manière, je reprends les termes de mon maître à français qui était mon diapothèse Jean Greisch, essayer de voir s'il n'y a pas chez Paul Ricœur un âge herméneutique de la foi. Donc la vérité. D'une certaine manière, les critiques que j'ai données, enfin j'ai relevées dans ce texte de la Fraternité Sacerdotale Saint-Quilice, ont philosophiquement leur fondement. Si nous regardons la philosophie, depuis Aristote jusqu'à dernièrement, la question de la vérité est posée en termes d'adéquation. Alors vous avez ça chez Spinoza, vous avez ça chez Descartes, vous avez ça chez saint Thomas d'Aquin, où l'on connaît bien le veritas est adequatio rei iptitus. La vérité, c'est l'adéquation entre le réel et l'intellect. Est vrai un énoncé qui parle de la réalité telle qu'elle est. C'est exactement ce que disait Spinoza. La première signification de vrai et de faux semble avoir tiré son origine des récits, et on dit vrai quand le fait est réellement arrivé. Une telle définition de la vérité comme adéquation, et de la seule définition de vérité comme adéquation, amène à cette idée que la vérité est universelle, unique, absolue. Et donc, si une chose est vraie, et que ce qui est vrai n'est pas faux, et que ce qui est faux n'est pas vrai, c'est d'ailleurs ce que disait Husserl, ce qui est vrai en soi, la vérité est identiquement une, que ce soit des hommes ou des êtres d'une autre espèce, des anges ou des dieux, qui l'appréhendent en la jugeant. Si ce qui est vrai ne peut être faux, si ce qui est vrai totalement, à ce moment-là, effectivement, les personnes qui refusent de l'œuvre ont certainement bien raison. Il est absolument hors de question d'accepter que 2 plus 2 égale 5, puisque 2 plus 2 égale 4 est vrai, et 2 plus 2 égale 5 est vrai. Si donc il est vrai que l'unique Église est l'Église catholique, on doit refuser les autres, ni plus ni moins. Or c'est là que Paul Ricœur intervient. D'une certaine manière, pour le dire très rapidement, le projet de Paul Ricœur va être de sauver la conviction religieuse au prix d'un deuil, d'une conception absolutiste de la vérité. Ce qui peut bloquer le dialogue, et le dialogue œcuménique, c'est justement cette conception absolue de la vérité. Avec Jean-François Petit, il y a quelques mois, nous sommes allés à une conférence de l'Académie catholique de France. Nous avions reçu Monseigneur Harline, si j'ai de la mémoire, qui disait qu'il ne fallait pas confondre, donc il s'occupe du dialogue interreligieux œcuménique, qu'il ne fallait pas confondre l'absolu de Dieu avec l'absolu de la religion. Toute la question porte donc sur l'absolu. Et Ricœur nous met à plusieurs moments en garde contre la tentation d'imposer une vérité absolue. Il nous met en garde contre ce que Lévinas appelait l'âpre goût de l'absolu qui mène aux guerres saintes. À cette définition de la vérité comme simple adéquation, et presque à rebours cette définition, Ricœur va proposer une deuxième définition comme idée régulatrice, comme un horizon, et un horizon qui ne peut être tout à fait atteint. Dans certains textes, il prend acte, et il est bien conscient du déclin, dans l'Occident et peut-être même dans l'Orient, de la prétention à une vérité exclusive. Déclin qui fait suite aux intolérances religieuses, au totalitarisme du passé, mais déclin qui peut nous faire tomber dans deux excès, deux problèmes, le scepticisme, d'un côté, plus aucune vérité n'est possible, et le relativisme de l'autre, tout se vaut. Or, d'une certaine manière, Paul Ricœur va prendre vraiment, va prendre cette question en charge et tenter d'éviter que le dialogue tombe à la fois dans le tout se vaut, et après tout, protestants, catholiques, orthodoxes, c'est du pareil au même, tout est identique, à ce moment-là, pourquoi en discuter, ou plus rien n'est possible, personne ne connaît la vérité, c'est impossible. Or, il permet d'avoir une troisième voie possible, d'une certaine manière. Ce qu'il nous dit dans ces deux écueils, entre le scepticisme et le relativisme, c'est que nous sommes dans un entre-deux. C'est-à-dire que cette perte de la vérité, et d'une vérité un peu exclusive, nous laisse un peu démunis. Voici ce qu'il dit, ce qu'il disait dans une conférence et dans un texte paru il y a quelques années. Nul ne peut dire ce qu'il adviendra de notre civilisation quand elle aura véritablement rencontré d'autres civilisations, autrement que par le choc de la conquête et de la domination. Mais il faut bien avouer que cette rencontre n'a pas encore lieu au niveau d'un véritable dialogue. C'est pourquoi nous sommes dans un sorte d'intermède, d'interrègne, où nous ne pouvons plus pratiquer le dogmatisme de la vérité unique, et où nous ne sommes pas capables de vaincre le scepticisme dans lequel nous sommes entrés. Nous sommes dans le tunnel, au crépuscule du dogmatisme, au seuil des vrais dialogues. Ce que va montrer Ricœur, c'est que la vérité est aussi une vérité, une manifestation. La vérité est aussi une sorte de forme de dévoilement. J'essaie d'aller un peu vite parce que je me rends compte que j'écris beaucoup. Étant donné qu'il appartient à ce courant qu'est l'herméneutique, il va être capable d'affronter le problème de la multiplicité du vrai. C'est-à-dire qu'au-delà d'un simple mouvement d'unification de la vérité, il va plutôt essayer de maintenir la vérité comme tension. Et non seulement comme tension et comme horizon, mais aussi comme tension entre la nécessité d'une vérité, et d'une vérité posée et ferme, et aussi le fait que nous n'avons qu'un accès partiel à la vérité, que mes vérités sont de cette manière en partie transitoires, et que la vérité doit surgir, advenir. Qu'il y a une sorte d'avènement de la vérité comme il y a un avènement du sens. Vouloir, d'une certaine manière, une vérité absolue est déjà une première forme de violence. C'est ce qu'il disait dans Histoire et Vérité. L'unification du vrai est à la fois le vœu de la raison et une première violence, une faute. Ce qui veut dire que Ricœur va, d'une certaine manière, réintroduire la violence au sein même de la connaissance. Il va, d'une certaine manière, diviser et comme retourner la vérité contre elle-même. Il y aurait deux facettes de la vérité. Une fondée sur l'objectivité systématique et une fondée sur l'intuition du sens. Sauf que, pour éviter justement de tomber dans le scepticisme ou le relativisme, les deux ont besoin l'une de l'autre. C'est-à-dire que la vérité fondée sur l'intuition du sens a besoin de la vérité fondée sur l'objectivité pour se protéger de possibles divagations, voire du relativisme. S'il fait le deuil d'une vérité absolue, il ne dit pas que la vérité est tout et rien. Il essaie justement de maintenir une tension entre deux pôles de vérité. C'est pour cela qu'il pourra nous dire que cette grande figure de l'herméneutique et le conflit des interprétations est adéquat à la visée de la vérité. Pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait deux pôles, Et cette tension entre deux pôles est adéquate à cette notion de vérité. D'une certaine manière, la vérité même, enfin, apparaît de cette manière trois fois. Il y a deux modèles de vérité. La vérité comme unification du vrai et objectif, et vérité comme écoute du sens. Or, la vérité apparaît une troisième fois dans la tension, justement, entre ces deux pôles de vérité. Il ne s'agit donc pas, pour Ricœur, d'abandonner la vérité, d'une certaine manière, épistémologique. Il ne s'agit pas non plus d'abandonner la vérité éthique. Il s'agit de maintenir une tension entre les deux. Et c'est en maintenant cette tension que l'on peut admettre qu'il y a éventuellement une vérité en dehors de moi, que d'autres ont accès à une autre vérité ou à un autre aspect que la mienne. D'une certaine manière, il ne s'agit plus d'avoir la vérité, mais d'être dans la vérité. Ce qui est questionné de cette manière par Paul Ricœur, c'est la question du rapport à la vérité et du rapport au fondamental qui me permet d'avoir accès à cette vérité. Le dialogue, en fait, n'est possible qu'en, premièrement, affirmant sa propre conviction, et deux, en acceptant que la vérité ne soit pas totalement énoncée, pas totalement traduite dans ma propre conviction. Voici ce qu'il dit: « J'arrive au point où je suis en état d'introduire le mot dialogue, et je le fais de manière coûteuse. J'accède à une vérité, mais je ne peux pas la traduire. J'ai alors le projet de compréhension des autres religions différentes de la mienne ou d'une non-religion. Je n'ai qu'une compréhension latérale, de proche en proche, à coup de ressemblance. On peut alors raccourcir la distance dans le domaine de la profondeur, alors apparaît le dialogue. Toute la vérité n'est pas dite dans ma conviction, ce qui veut dire que dialoguer avec les autres permet évidemment de comprendre leur propre vérité, leur propre accès à la vérité, mais permet aussi de me réinterroger sur ma propre conviction, sur mon propre accès à la vérité. Et tout le travail de Ricœur devrait, de certaine manière, parfois se résumer en cette phrase de Ricœur lui-même: « Mon travail est une sorte de dialogue avec ceux qui pensent autrement que moi. » Et, deuxième idée qu'on a chez Ricœur, l'autre est parfois le plus court chemin entre soi et soi. Le dialogue permet à la fois de comprendre, de connaître, de comprendre, voire d'accepter l'autre, mais aussi, d'une certaine manière, de se comprendre, de revenir sur ses propres convictions et de pouvoir réinterroger le fondement de ses propres convictions. Quoi qu'il en soit, et dans une perspective, d'une certaine manière, herméneutique, il est clair qu'une seule tradition ne peut, d'une certaine manière, posséder toute la vérité, ou la vérité de manière absolue. Alors, les médiévaux le savaient déjà. Un certain théologien nous disait que celui qui connaîtrait parfaitement Dieu serait Dieu lui-même. Mais surtout, c'est que Paul Ricœur va nous expliquer qu'en termes de croyance, il y a, de certaine manière, un excès du contenu sur le contenant. Dieu, ce contenu, excède le contenant d'une tradition, d'une religion. Dès lors, pour Paul Ricœur, aucune institution religieuse et aucun croyant ne peut prétendre à elle seule ou à lui seul détenir la vérité absolue. Chaque accès est un accès partiel à la vérité, même si la révélation, elle, est totale. C'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause l'idée que, la phrase du Christ, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». La révélation est totale, mais l'accès à cette vérité de la révélation, elle, est partielle. Il s'agirait donc de comprendre le dialogue non plus simplement comme le choc de vérité absolue qui ne peut mener qu'au conflit, à ce que certains appellent les chocs de civilisation. C'est, je crois, Huntington, un anglais américain qui est battu en 92 ou 96, la date m'échappe, qui mènerait le dialogue œcuménique à un échec sans fin, éventuellement non pas un dialogue, mais deux monologues parallèles. Il s'agit au contraire de comprendre la vérité comme vérité de relation. Enfin, l'accès à la vérité par une vérité relationnelle, par une vérité de manifestation. C'est d'ailleurs ce que certains théologiens essaient d'explorer, comme le théologien Claude Geffré. Voici ce qu'il disait: « La vérité dont témoigne le christianisme n'est ni exclusive, ni inclusive de toute vérité. » Elle est relative à ce qu'il y a de vrai dans les autres religions. » Ça s'appelait « Fondement théologique du pluralisme religieux ». La question maintenant, c'est comment peut-on aboutir à cela? Premièrement, par la question de la traduction, du langage et de la traduction. Le fait religieux, les religions et les traditions ne doivent pas être réductibles à des traditions mortes, des reliques, des sortes de conventions Si c'était le cas, on pourrait effectivement changer au gré de nos humeurs. Ricœur, lui, parle de conviction. Et il va surtout essayer de travailler sur les sources de ces convictions, sources qu'on ne maîtrise pas, qui nous précèdent, et qui sont parfois des ressources non encore formulées. La deuxième chose importante chez Paul Ricœur par rapport à ça, c'est qu'il compare les religions à des langues. Il y a une sorte de langage religieux, les religions sont des langues. D'où d'ailleurs sa curiosité pour la diversité des genres littéraires présents dans la Bible. La Bible, par cette diversité littéraire, ferait d'ores et déjà valoir la pluralité des voix. Si les religions sont des langues, la rencontre d'autres religions, d'autres traditions, la rencontre d'autres cultures, ne peut alors se faire ou s'expérimenter que par la figure de la traduction. Rencontrer l'autre, c'est traduire. Et traduire, c'est d'une certaine manière commencer aussi un peu à se dépayser. Si chacun est ancré dans une langue natale, le français pour moi, le romain pour vous, il n'empêche qu'il n'y a pas d'intraduisible absolu. Il y a toujours la possibilité de traduire. J'essaie de couper un peu parce que je vois, je suis très long. Traduire, qu'est-ce que c'est? Traduire, c'est accueillir une autre langue dans la sienne. C'est aussi s'exiler, se faire autre pour se faire comprendre. Il y a dans la traduction quelque chose de l'ordre de l'hospitalité. Et pour ce qui est de ma part, je vous remercie fortement de cette hospitalité d'accueillir ma langue dans la vôtre, et je suis absolument désolé de ne pas pouvoir m'exiler dans votre propre langue. Mais les capacités linguistiques sont toujours très limitées. Quoi qu'il en soit, le problème, c'est que, la question elle est bien là, c'est que la traduction est une hospitalité. La traduction, en fait, témoigne d'une sorte de contradiction. Contradiction entre, d'un côté, une universalité, tous les hommes parlent, et de l'autre, une particularité, les hommes parlent des langues différentes. Évidemment, quand on parle de langage, de traduction, on pense immédiatement à Babel, au mythe de Babel, la répartition des langues sur toute la surface de la Terre. La petite question qu'on pourrait se poser, c'est Babel, est-ce que Babel est une catastrophe? Paul Ricœur, qui a beaucoup travaillé, qui a fait des interprétations de la Bible, note que dans la suite du mythe de Babel, personne ne récrimine contre Dieu. Il y a des moments où tous les hommes râlent, rouspètent contre Dieu, là ils auraient pu le faire, ils ne le font pas. Et ce qu'il va essayer de montrer, c'est que la diversité linguistique, l'incompréhension mutuelle qui va en résulter est, au-delà d'une simple catastrophe, peut-être même une chance, puisque c'est bien cette diversité linguistique qui fera de la fraternité le résultat d'un véritable travail. Un monde sans séparation, et sans séparation linguistique, serait un monde où la communication serait toujours possible, fluide, directe, sans aucun problème. Cependant, ce serait un monde sans interprétation, et d'une certaine manière sans pensée. On aurait même peut-être envie de dire sans humour, voire même peut-être même sans amour. La séparation est peut-être la perte d'une union, mais elle permet un travail difficile, qui est la difficulté d'accepter qu'il y ait des choses qui se disent autrement que comme je le dis moi. Cette traduction, d'ailleurs, Ricœur le souligne, est la traduction d'une langue dans une autre, mais elle est une traduction aussi intra-langagière. Quand je discute avec l'autre, et quand je discute en français avec l'autre, je cherche aussi à traduire. Je cherche aussi, d'une certaine manière, à m'approcher de ce qu'il me dit. L'hospitalité linguistique ou langagière n'est pas simplement de langage étranger à langage étranger. On doit aussi, d'une certaine manière, accepter que ce que moi je dis d'une certaine manière en français, d'autres peuvent le dire d'une autre manière, toujours en français. Et on voit très bien, on a tous eu ce moment-là, en famille particulièrement, de ces disputes qui durent sans fin et qui arrivent sur des conclusions. En fait, on dit la même chose, mais autrement, et on ne s'entend pas. De la même manière que dans les colloques, on entend fréquemment ce que vous vous appelez ainsi, moi je l'appelle ainsi. Cet effort de traduire, elle est aussi entre locuteurs de la même langue. Traduire, c'est donc d'une certaine manière une sorte d'entreprise d'approximation constante. Et d'approximation constante parce qu'elle est perpétuellement en demande d'être retraduite. d'être retraduit puisque les mots n'ont pas toujours le même sens, qu'il faut réactualiser le sens des mots. L'exemple typique, c'est qu'en France, nous avons, il n'y a pas si longtemps que ça, recréé une nouvelle formulation de notre Père. Avec ça, déjà, les mots n'avaient plus tout à fait le même sens, n'avaient plus les mêmes connotations, donc il a fallu retraduire. Traduire, c'est aussi accepter une équivalence sans adéquation. C'est-à-dire accepter une unité dans la pluralité, dans la diversité. Et lorsque Paul Ricœur travaille sur cette hospitalité langagière, il part du principe que cette hospitalité, cet accueil, suppose l'existence d'une demeure, d'un lieu où accueillir l'autre. Donc une conviction. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette fraternité, soi-disant fraternité, le dialogue œcuménique, le dialogue avec l'autre, ne présuppose pas que j'abandonne la conviction. Dialoguer avec un orthodoxe ne fera pas de moi un orthodoxe. Dialoguer avec un protestant ne fera pas de moi un protestant. C'est toujours un peu les angoisses de certaines personnes. Quand j'ai commencé ma maîtrise sur Lévinas, un auteur juif, ma petite amie qui était ma fiancée, ma femme était d'origine, enfin, mon père était juif, certains de mes copains à la catho me disaient « Mais tu vas te convertir, tu vas devenir juif ?» Non, on peut lire un auteur juif sans devenir juif, en restant catholique. Donc, il faut être dans sa demeure pour accueillir l'autre. Je ne peux pas accueillir l'autre si je n'ai pas ma propre demeure. D'une certaine manière, celui qui n'accueille pas l'autre, c'est peut-être qu'il n'est pas tout à fait sûr de sa propre demeure. Difficile, d'une certaine manière, si on prend cette métaphore, d'accueillir l'autre chez soi, d'être nous chez soi, quand chez soi, c'est pas bien rangé, quand on a fait le ménage. On pourrait avoir tendance à dire que ceux qui refusent d'être œcuméniques, au nom d'une conviction forte, sont peut-être pas si assurés que cela dans leur conviction. J'ai toujours en tête ce terme, cette phrase de Nietzsche, de mémoire, c'est dans le Gai Savoir, paragraphe 335, mais la fermeté de vos convictions est peut-être le signe de la pauvreté de votre pensée. Bon, ça peut se poser question, c'est ce texte qui commence, il travaille sur la conscience morale, etc. Alors, je crois que c'est paragraphe 335 de mémoire. Il faut être ferme, il faut être sûr de ses convictions pour accueillir l'autre, pour être hospitalier. Donc c'est pas un relativisme. Dialoguer avec l'autre tradition, pour essayer de voir quel accès partiel, quelle autre forme d'accès il y a à la vérité, pour retraduire cette vérité, et pour se retraduire soi-même, ne tombe pas dans le relativisme. C'est toujours un catholique qui écoute un protestant. D'ailleurs, Paul Ricœur souligne que le terme œcuménisme est emprunté au terme œcuménicus, qui veut dire universel, qui serait lui-même dérivé de oekumene, excusez-moi, oekumene, qui veut dire terre habitée, univers, venant lui-même du latin, enfin du terme grec, oikumene, participe passé de oikeo, c'est-à-dire habiter. Il faut habiter un lieu pour pouvoir traduire. Il faut habiter sa langue pour pouvoir traduire. L'œcuménisme, comme la traduction, n'est pas l'abandon de sa terre, de sa croyance, de sa langue. C'est l'accueil dans sa propre terre, dans sa propre langue, de quelque chose qui se dit autrement, qui se vit autrement ailleurs. Mais un accueil particulier qui n'est pas un accueil d'intégration. L'intégration suppose la soumission de l'autre à ma propre loi. Et d'une certaine manière, l'intégration devient violence. Au contraire, celui qui accueille partage avec celui qui l'accueille ce qu'il possède, ses propres biens. Il s'agit dans l'accueil de traiter d'égal à égal. Non pas pour dire que tout est pareil, mais que tout a une valeur possible. De plus, accueillir l'autre, c'est accepter de se laisser questionner dans ses propres certitudes. C'est donc accepter de se retraduire soi-même. Il s'agit donc, dans cette traduction et dans ce rapport à l'autre, de découvrir aussi notre propre étrangeté. Puisque si l'autre tradition est une tradition autre, je suis aussi autre pour elle. Et non seulement découvrir notre propre étrangeté, mais éventuellement aussi la non-maîtrise des racines ultimes de notre propre existence. Il s'agit de cette manière de devenir un autre parmi d'autres, en apprenant que ce qui se dit d'une certaine manière dans une langue se dit d'une autre manière dans une autre langue et d'une autre manière dans ma propre langue. On le voit, il me reste 3 minutes à peu près, c'est ça? On le voit d'une certaine manière, cette traduction nous amène à la question de l'herméneutique, à la question de l'interprétation. Alors, j'avais encore une quinzaine de pages. Et encore, j'ai résumé. Hein, ça, c'est comme quand j'écris, c'est comme quand je cuisine, je cuisine toujours, pour 5 personnes, je fais toujours pour 40, c'est un peu le problème. La question du dialogue devient quelque chose de l'ordre de l'herméneutique. On peut se demander, je donnerai ça éventuellement comme simple piste, alors, Jean Greisch, qui était le doyen de la faculté, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, avait travaillé sur, proposé l'idée que nous en rentrons dans ce qu'on appelle l'âge herméneutique de la raison. Alors, je ne sais pas si on a le volume, mais dernière, j'ai fait une petite conférence là-dessus. J'aurais tendance à me poser la question de savoir si on ne rentre pas soi-même dans l'âge herméneutique de la foi ou de la religion. C'est ce qu'on a dans Claude Geffré, qui avait écrit un livre sur le tournant herméneutique de la théologie, hein, si j'ai bonne mémoire. Pour le dire très simplement, peut-être justement qu'à ce refus du dialogue, au nom d'une vérité figée, posée, l'herméneutique, c'est-à-dire la possibilité d'interpréter les textes, d'interpréter les paroles, mais aussi, de certaine manière, d'interpréter tout ce avec quoi on a une relation de sens, ne pouvait pas être justement à la fois un antidote à ce fondamentalisme, cet intégrisme, et un fondement possible du dialogue interreligieux. Car lorsque j'écoute un protestant, un orthodoxe, ou un catholique gréco, etc., j'essaie d'interpréter ce qu'il dit, et je m'interprète moi-même. J'accepte ce détour de moi-même à moi-même par l'interprétation. Alors il faudrait éventuellement, par rapport à tout ça, revenir sur ce que Ricœur appelle l'identité narrative, d'une certaine manière. Loin d'une identité figée, fixe, l'identité tient au récit que je fais de moi-même, pour le dire très très rapidement. La communauté confessante est en fait le problème de la parole vécue, de la parole pensée, de la parole annoncée, de la parole interprétée. Alors je ne sais pas s'il y a ce jeu de mots aussi en roumain, mais quand on parle d'interprétation en français, on parle de cette compréhension des choses, cette explication, mais on parle aussi de donner sa voix à. Un chanteur est un interprète, un acteur est un interprète. Là aussi, il faut être capable de donner cette voix à ce dialogue. Alors, je finis un peu en queue de poisson pour essayer de ne pas trop empiéter sur le temps de mon collègue. Hier, on a parlé de la question de l'unité visible des églises, de l'Église. Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de l'unité audible de l'Église? Et si le signe visible de l'Église n'était pas simplement le fait que tous nous rentrions dans le même bercail, et comme disait par Nicolas hier, mais alors lequel? Puisque qui est l'Église mère? Est-ce que, au contraire, l'unité de l'Église ne se verrait pas dans la possibilité d'un dialogue apaisé entre nous, indépendamment de soumettre l'autre, ou de tenter de soumettre l'autre à une même loi? L'unité de l'Église, peut-être qu'elle ne se voit pas immédiatement, peut-être qu'elle gagnerait aussi à se faire entendre, simplement. Je remercie votre attention. Merci pour son bassin.